Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Imjishi. Donc on continue en ce moment avec quelques vidéos NAC, parce que ma passion numéro 1 est pour les chiens, mais j'aime aussi énormément les NAC, les rongeurs et compagnie. Donc il y a quelques temps je vous ai parlé que j'ai le petit hamster cutie qui est arrivé et qu'il a échangé de petits logements. Donc il va habiter dans celui-là, c'est un aquarium d'un mètre 20. Donc c'est un logement provisoire, parce qu'après je compte y mettre d'autres animaux, mais en attendant, comme il sert à rien, autant mettre cutie à l'intérieur, donc il va pouvoir s'amuser. Et j'en profite pour faire un petit DIY de comment accueillir son hamster Roborovski. Donc les hamsters Roborovski sont très petits, donc les cages à barreaux sont à proscrire de préférence. Il faut vraiment des cages avec des barreaux de moins de 0,8 cm d'espacement entre les barreaux. Sinon ils vont forcément s'échapper pour les rattraper vu la taille qu'ils font et la vitesse à laquelle ils courent. Ce serait complètement compliqué. Donc il vaut mieux prendre un aquarium, je ne vous conseille pas forcément de prendre d'un mètre 20, même si plus c'est grand, plus c'est intéressant pour eux. Un aquarium de 70 cm suffira amplement. Si vous pouvez prendre un aquarium avec mi-hauteur aquarium, mi-hauteur barreau, c'est aussi pas mal, mais attention toujours à l'espacement des barreaux. Donc voilà pour l'habitat que j'ai pris, moi, en attendant le proviseur, mais de toute façon je vais y reprendre un aquarium plus petit derrière. Donc après pour la litière, je vous conseille cette marque. La marque Cocoon, donc moi je prends du 30 litres, c'est du chanvre, je ne mets absolument pas de copeaux pour les rongeurs parce que ça leur bousille les bronches. Après ils sont asthmatiques chroniques, c'est pas bon pour eux du tout, les copeaux sont pleins de poussière, ils n'absorbent pas du tout les odeurs. Vous avez plus tendance à changer les copeaux, même s'ils coûtent moins cher, vous changez beaucoup plus souvent que si vous utilisez du lin qui est un peu plus cher, mais si vous allez dans les magasins style JMT, ils sont beaucoup moins chers qu'ailleurs. Donc n'hésitez pas à passer pour le chanvre, je vous le conseille. Donc je vais mettre maintenant le chanvre à l'intérieur. Voilà, j'ai installé la litière de chanvre, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'épaisseur. Franchement, pour un aquarium d'un mètre 20, je pense que je ne suis pas prête de changer la litière. Genre dans un mois, je suis sûre que là, je vais pouvoir le changer, mais pas plus tôt. Parce que vu les mini-crottes des hamsters Roborovski, et vu qu'il n'y en a qu'un et qu'il est tout seul là-dedans, il a de quoi faire pendant un moment. Donc voilà pour la litière, ensuite on va passer aux accessoires. Donc pour les biberons, je vous conseille ce genre de biberon. Donc là, c'est un biberon en forme de tube à essai. C'est tout nouveau, c'est la marque Living World. Donc voilà, vous pouvez mettre ça dans les aquariums, parce que c'est toujours le plus problématique. C'est de pouvoir installer des biberons dans des terrariums, vu qu'on n'a pas de moyen de les fixer au barreau comme des biberons lambda. Donc heureusement, ceux-ci sont vendus avec des petites ventouses, on verra si elles tiennent bien. Sinon, je vais vous mettre un lien, et c'est sûrement ce que je risque d'acheter sur le plus tard. Vous avez des supports de biberons pour les biberons en verre que vous trouverez sur Zoo Plus pour pouvoir fixer les biberons à l'intérieur de justement le terrarium, celui sur un pied en bois. Comme ça, c'est fixé pour ne pas bouger. Donc je vais vous mettre à l'intérieur. Donc voilà, le biberon est fixé, mais je vous conseille pas vraiment ce modèle. Je vais voir s'il tient vraiment, mais les ventouses ont du mal à se plaquer contre la paroi correctement. Elles ont tendance à rouler sur elles-mêmes, donc l'air passe et ça retombe. Donc je vous conseille vraiment d'investir dans le modèle que je vais vous présenter sur Zoo Plus, où vous pouvez fixer un biberon en verre. Donc en attendant, Cutie aura cette manière de fixer, je vérifierai bien surtout que ça tient correctement, sinon je bricolerai un autre système que je vous présenterai. Donc voilà pour le biberon, on passe à un autre accessoire. Donc l'indispensable pour un hamster, une roue pour faire son exercice. Donc pour l'instant Cutie n'est pas fan, mais peut-être qu'il utilisera maintenant mieux qu'il n'y a pas de barreau pour pouvoir se défouler. Et je vais investir dans une en bois en espérant que ça tourne correctement, parce que je voudrais être raccord au niveau du style de l'aquarium de Cutie. Donc surtout prenez une toute petite roue, pas trop grande pour eux, et avec pleine pour pas avoir de mal avec leurs petites pattes à mettre la patte entre chaque barreau. C'est plus simple d'en avoir une pleine où ils peuvent courir sans souci. Ensuite une gamelle, moi j'ai pris une gamelle pour reptile qui est plus raccord dans le style de ce que je veux faire dans l'aquarium. Donc je préfère toujours les décorations en style bois ou naturel. Donc voilà pour la petite gamelle de Cutie. J'ai essayé de lui donner à manger
ce sont les nourritures pour hamster Saint-Bernard, mais il y a beaucoup trop d'extrudés à l'intérieur, donc ça va pas, les graines sont beaucoup trop grosses pour lui. Donc j'ai changé, le jour où je suis allée à la JMT, j'ai découvert une nouvelle marque. Donc, je lui donne les croquettes pour hamster Vitacraft, donc spécial pour les Roborowski ou hamster nains. Donc ce coup-ci, comme vous voyez, vous avez pu en dans la gamelle, c'est beaucoup plus adapté niveau taille, c'est des tout petits morceaux de maïs, du millet et compagnie, donc c'est beaucoup plus petit pour lui, c'est plus facile à manger, et ce n'est pas une fausse vente en fait, c'est vraiment adapté au hamster nain. Donc pour l'instant je vais continuer à lui donner ça, je pense pas qu'il mange ça rapidement, même si c'est un tout petit paquet, les hamsters Roborowski ne mangent pas non plus comme des coins. Les basiques de jeu qui coûtent pas cher, les rouleaux de papier toilette en carton, donc pareil ça fait un effet naturel, j'aime bien. Ils peuvent les grignoter, ils peuvent faire leur besoin dedans, c'est pas un problème vu qu'on en a tous en quantité chez nous, on peut les changer régulièrement. Donc voilà pour les petits trucs pas chers et faciles à utiliser et à trouver. Donc idéal pour qu'ils jouent avec, se cachent, passent le tour, sautent dessus, les grignotent et compagnie. Donc ensuite il faut penser à sa cachette pour dormir, donc moi je me sers de baignoire pour oiseaux, c'est de la bonne taille, la limite peut-être un peu trop grand parce qu'il préfère en sortir pour se cacher l'air, donc je vais prendre une cabane plus pleine pour se cacher de la lumière et pas être dérangé quand il fait jour. Et cette petite cabane pour oiseaux va lui servir, où je lui mettrai du sable pour chinchilla parce qu'apparemment les hamsters Roborowski sont comme les hamsters russes, ils aiment bien se trouver dans la litière de dans le sable de bain de chinchilla, pour éviter d'avoir des parasites, des peaux mortes sous leur poil et pour éviter que leur poil se graisse. En attendant, ça lui sert de cabane. Et niveau économie pour son dodo, pour mettre de quoi se cacher à l'intérieur, je lui mets du simple papier toilette. Donc surtout pour qu'il soit naturel, pas parfumé, qu'il n'y ait pas du tout d'odeur dedans, sinon ça va lui faire du mal aux bronches. Et je rappelle aussi pour la litière, il ne faut pas de litière parfumée, c'est bon pour votre nez mais c'est horrible pour votre animal. Donc après, une fois que vous avez ça, c'est tous les premiers basiques pour hamster. Après ça, tout ce que vous rajoutez, c'est du bonus que je vous montrerai au fur et à mesure. Une fois que vous avez déjà tout installé ça, vous n'avez plus qu'à aller chercher votre petit animal qui sera installé aussitôt sans stress. Il faudra laisser se débrouiller pendant 24-48 heures, éviter de le manipuler. De toute façon, les Roborowski, évitez de les manipuler, sinon si vous les faites tomber pour les rattraper, c'est une galère. Mais après, vous verrez que quand il sera à l'aise à vous voir bouger, à entendre les bruits familiaux tout autour, il sortira sans problème, il fera son petit curieux, vous regardera faire vos activités. Donc voilà, j'ai installé Cute à l'intérieur et vous verrez en train de se mouvoir dedans. Donc je rappelle aussi que pour les aquariums, il faut que ce soit des tailles suffisamment grandes pour des animaux très petits. Donc je les conseille pour des gerbilles, les hamsters nains ou moyens si l'aquarium est assez grand, mais jamais pour des chinchillas, des rats ou des furets. Les aquariums ne sont pas adaptés pour des gros animaux parce qu'après l'aération n'est pas bonne. Certains animaux sont assez grands pour sauter par-dessus. Donc vraiment pour des tout petits animaux, autrement. Donc voilà, j'installe Cute à l'intérieur, vous allez voir comment il va découvrir l'intérieur de sa petite cage. Donc je vous montre rapidement petit cutie pour pas qu'il m'échappe. Donc voilà, surtout tenez-le fermement, ne le serrez pas trop pour pas lui faire du mal, mais il faut pas relâcher sinon il va tomber. Donc vous voyez que l'aquarium est immense pour lui, il a de quoi vraiment se défouler, c'est l'idéal pour lui. Si vous pouvez faire autant à votre hamster, je vous promets qu'il en sera super heureux. Donc pour l'instant, l'aquarium est très basique, mais je compte étoffer ce qui est à l'intérieur au fur et à mesure. Même si pour l'instant c'est un aquarium provisoire, parce que je compte accueillir d'autres animaux à l'intérieur. Et je lui prendrai un aquarium plus petit, mais quand même un autre aquarium. Donc là, il fait vraiment tout le tour, on voit qu'il est détendu parce qu'il fait ses toilettes, il reconnaît ses accessoires, il reconnaît sa litière, il sait qu'il connaît son environnement. Donc il a de quoi vraiment se défouler. Donc là il faudra exploiter un peu plus la hauteur, même s'il ne faut pas qu'il soit trop en hauteur dans le niveau des accessoires pour pas qu'il puisse sauter par-dessus. Donc contrairement à ce que certains ont pu me dire, il ne va pas se perdre là-dedans. Les hamsters sont habitués à vivre dans des espaces très très grands, même si les gens ont tendance à les enfermer dans des cages minuscules et compagnie. Mais comme on dit toujours, plus c'est grand, mieux c'est. Je pense que si vous avez le choix de vivre dans une petite chambre de 10 mètres carrés ou avoir une maison de 90 mètres carrés, vous ne ferez pas le doute sur votre choix longtemps. Donc voilà pour les installations sur un DIY de comment installer votre hamster rapidement. Voilà pour les installations basiques. Après, tout le reste, c'est du bonus au niveau accessoire. We'll be right back.
I'm gonna go get some more now.